Je veux dire, nous allons montrer comment que vous êtes capable de sécuriser WhatsApp d'une façon pour ne pas pirater. Okay? Il y a plusieurs raisons qui causent vous capable de sécuriser WhatsApp. Par exemple, le téléphone perdu, donc il n'y a pas de code sous le lit. Donc, ça capable de rendre mon gens accès à notre téléphone. Ok, il y a accès à WhatsApp. Il est toujours plus bon pour le téléphone ou un code sous le lit. Ok, que c'est où qu'on est avec un proche ou téléphone ça t'a perdu. Donc maintenant, voilà, obligé de reset. Si le cas reset, il a obligé de reset de façon pour pas gagner accès à l'application. Mais ce téléphone n'a pas un code, donc application est capable d'utiliser une application pour verrouiller l'autre application, même qu'elle pas verrouiller le téléphone en soi. Maintenant, nous allons montrer donc sécuriser WhatsApp ou. Donc, pour mon papi rater, c'est très très facile. On est là. Pas oublier, si vous abonné avec le canal de migration, faites ça, quittez un like, un commentaire pour nous, et puis abonnez. Pas oublier, partagez ensemble avec Zamio. Ok, on va aller, on va parler en pile. On va aller sur WhatsApp, on va utiliser. Hein? Voilà. Ok. Voilà, WhatsApp là, on veut comme ça. Donc, on va aller exactement à droite et en haut, dans trois petits points ça y est. Ok, qui dispose de façon verticale, dans les là-dedans. Ok, et puis nous allons dans paramètres. Ok, immédiatement, nous allons dans paramètres, nous allons entrer dans compte. Compte. Et nous allons dans compte, nous allons dans confidentialité, sécurité, vérification en deux étapes, changer de numéro, demander info, compte, supprimer mon compte. Ok, premier barrage, nous allons entrer dans sécurité. Les mettre dans sécurité m'a assuré que moi notification de sécurité à li checker. OK, li ka activé par défaut. Donc depuis moi comme ça m'a checker. OK, m'a activé. M'a tourner. Depuis fin checker m'a tourner, m'a aller dans vérification en deux étapes. Vérification en deux étapes et puis m'a dit activer. Voilà. Toutefois m'rivé là, l'a demandé pour mettre un pin de 6 chiffres. Que m'a oublié, m'a jamais oublié. OK, ou choisi mettre une que on connaît pas jamais oublié. Prenons par exemple, donc mettez ça. Ça m'a pas doit jamais oublié. 1 2 3 4 5 6. Puisque son vérification en deux étapes, les bon moi connait là pour me vérifier à partir de mail qui m'a utilisé téléphone moi. OK, on a m'a entrer mail qui m'utilisé là. Mais encore que je ne connais pas oublier. Voilà. Pour qui ça va me mettre mes là, c'est parce que si je n'oublie pas code de mettre avant, donc il y a une possibilité pour me récupérer le téléphone non, bien WhatsApp à partir de mes là. Mais si je n'oublie tous les deux, nous n'en chaud. Donc je vais demander pour reset. Ok. Je vais mettre mes mails encore. Voilà. Toutefois, l'arrivé là, on peut dire la vérification en deux étapes est activée. Et puis, l'arrivé là, on finit. On seulement dit terminé. Ok? Dès terminé, on a besoin de désactiver, changer PIN, modifier l'adresse. Ça n'a pas de problème. Si vous voulez désactiver, vous pouvez désactiver. Si vous voulez changer le numéro de météo là, vous pouvez changer. Si vous voulez modifier l'adresse là, vous pouvez modifier. Allez essayer cette vidéo ça si vous estimez le de bon pour et vous apprendre donc on est à sécuriser WhatsApp pour mon pas pirater WhatsApp. Nous te content pour te cette vidéo ça pour pas oublier soit peine tomber sur canal ça c'est pour quitter un commentaire pour nous un like et puis abonner pas jamais oublier tout partager là avec amis. Yo les djoubi. N'après dans l'autre tutoriel pour une autre leçon plus performant. Ciao.